Bonjour. Donc c'est l'émission Solidaire d'abord sur Fréquence 7, pas pareil, différente, tout ça. Et aujourd'hui, on va parler, c'est presque l'anniversaire, hein. On est le 18 novembre, hein, et le 17 novembre, il y a pas si longtemps que ça, 6 ans, il y avait le mouvement Gilets jaunes. Et aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir 3 syndicalistes qui sont venus avec moi pour parler du mouvement Gilets jaunes et de la façon dont ça s'est plus ou moins goupillé, bien goupillé avec les syndicats. Alors il y a eu des choses très très bien, parce que moi, à titre personnel, je dois dire que au départ, j'avais un petit peu du mal avec certains syndicats, on va dire, pour faire très court. Et en fait, cette présence très positive de plusieurs syndicalistes qui sont là, d'ailleurs autour de la table, qui ont été là dans la durée et qui ont toujours accompagné d'une façon positive ce mouvement, pour moi, a été vraiment très très importante. Alors je ne sais pas, vous, syndicalistes, comment vous avez perçu les choses? Est-ce que les syndicats, les centrales syndicales ont toujours été là comme il fallait ou... Alors on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure avec toi, Michel. Oui, eh bien, non, on ne peut pas dire que ça a très très bien passé avec les Gilets jaunes. Je dirais même que la position de l'ensemble des confédérations, elle a été relativement négative. Négative parce que... c'était quelque chose de très nouveau, négative parce que il y aurait eu peut-être dans ce mouvement-là des choses, des mouvements politiques pas très clairs, du genre RN ou Front National, je sais plus comment on peut dire aujourd'hui. Oui. Voilà, donc ça n'a pas été très au niveau national, c'est même l'inverse. Quand les confédérations ont reconnu que les revendications portées par les Gilets jaunes correspondaient aux leurs, ils ont quand même condamné la violence des Gilets jaunes. Or, ben, tout le monde l'a vu, hein, la violence était plutôt l'inverse. C'est les Gilets jaunes qui l'ont subi, et à un prix très fort. Mmh. Alexis, tu disais aussi, toi, que à l'intérieur du syndicat, c'était compliqué, et que vous avez pu voir qu'il y avait des dissensions entre la direction et le syndicaliste. Alors oui, en fait, dans notre syndicat, chaque syndicat est autonome, mais on appartient à une confédération. Et en fait, ici, localement, notre syndicat du premier degré, on est un tout petit syndicat. On était extrêmement surpris de ne pas être... amené à être présent... sur les ronds-points avec les Gilets jaunes, parce qu'on estimait qu'il y avait de vraies revendications qui rejoignaient les nôtres. Et le congrès qui a suivi nous a amené à choisir un nouveau secrétaire national, parce qu'en fait, on était de nombreux syndicats départementaux sur cette ligne, et à ne pas avoir compris cette frilosité, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à ce mouvement. Mais ici, nous, localement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Michel, on a été présents, en tout cas, en ce qui concerne notre syndicat, on a fait ce choix d'être présents. Alors, modestement, je vais pas non plus dire qu'on était là tout le temps, mais on a estimé que cette lutte était légitime et qu'il n'y avait aucune raison qu'on n'y soit pas, en fait. Voilà. Alors toi, Gilles, moi, j'ai trouvé que tu y étais beaucoup. Et tu parlais du fait que toi, quand tu es venu, tu parlais d'action directe un petit peu. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est la conception du syndicaliste telle que moi je l'ai dans le syndicat dans lequel j'appartiens. Et donc expliquer et confronter aux gens sur la volonté, par exemple, des Gilets jaunes d'avoir une position horizontale, ça veut dire qu'ils fassent que les décisions, c'est eux qui les prennent. Parce qu'ils avaient cette impression que dans les syndicats, il y a, j'allais dire... une structure pyramidale où il y a une tête et après ça descend pas. Ça veut dire qu'on doit appliquer les décisions qui ont été prises par cette tête pensante. Et donc, nous, je leur ai expliqué que nous, on avait une vision totalement différente et que le syndicalisme, il était aussi ce qu'ils pourraient en faire. Ça veut dire que je n'étais pas là pour dire auquel les Gilets jaunes, ils vont remplacer les syndicats. Je veux dire qu'il y a une structure qui existait, donc je veux dire qu'il faut s'en emparer. C'est un outil qui va permettre de pouvoir se battre et de structurer
sans forcément réinventer tout. Ce qu'il faut réinventer, c'est la prise en charge que les gens vont avoir d'eux-mêmes et des luttes qu'ils vont mener. Ça veut dire que quand tu leur expliquais que la scène directe, c'était pas la bande à Badère ou tout ça, que c'était nous une conception, ça veut dire que c'est les gens qui se prennent en charge. C'est eux qui vont créer eux-mêmes leurs revendications et qui vont les porter en premier lieu. C'est pas quelqu'un qui va aller les porter à leur place. Là, on a eu une distension. Alors, il est vrai qu'il y avait un rejet au démarrage d'un certain nombre de gens, peut-être parce qu'une mauvaise expérience dans des entreprises où ils étaient, ou la vision qu'ils ont des choses lorsqu'il y a des accords qui sont signés et qui ne correspondent pas à ce qu'eux avaient envie, ont toujours cette impression qu'on ne les écoute pas, qu'on ne le voit pas. Et là, je trouvais que c'était quand même pour nous une place à être important. Il y a eu des discussions, comme Michel pouvait le dire, dans toutes les structures syndicales, sur le fait qu'il y avait dans certains endroits, plus ou moins, des groupes derrière politiques qui étaient, bon, franchement, liés à l'extrême droite, qui faisaient tout un boulot pour pouvoir récupérer le mouvement et tout ça. Et je pense que nous, on devait être présents. Et voilà. Et je ne sais pas si maintenant on peut l'aborder, mais quand Michel parle de la répression, un des manquements que le syndicalisme en règle générale a manqué, c'est de soutien à toute cette répression qui avait lieu. Parce que la répression, elle existait déjà sur les syndicalistes dans les entreprises. Mais là, c'était, j'allais dire, physiquement, où on a interdit aux gens et on les a, j'allais dire... maltraiter, c'est vraiment un euphémisme. Hein. Ça veut dire qu'ils ont été borgnés, ils ont été, j'allais dire, lynchés par la police régulièrement dans des situations. Voilà, il y a quelques policiers qui sont condamnés. Malheureusement, il y a souvent beaucoup plus de manifestants qui sont condamnés, même s'ils n'ont pas fait le dixième de ce qu'ils ont subi. Oui, mais quelque part, les mouvements d'extrême droite, au moment où il y a eu des confrontations avec les policiers, ils les ont abandonnés, ces gilets jaunes. Hein. Et donc là, on a vu que l'extrême droite ne relayait pas les choses. Alors oui, Michel. Oui, c'est possible, mais je pense qu'il y a un point sur lequel il faut insister, à mon sens, c'est... Le mouvement des Gilets jaunes, c'est le mouvement social le plus important depuis 1968. C'est une véritable crise, une crise politique, et on pourrait même, bon, certains dans les choix dire crise révolutionnaire, pourquoi pas s'il y avait eu les éléments pour aller plus loin, mais c'est véritablement ça, c'est-à-dire un vrai mouvement populaire dans tous les sens du terme. Et quand je fais le rapport avec des crises et des révolutions, c'est que dans toutes les révolutions... c'est le peuple, mais c'est pas le peuple propre sur lui, bien habillé, etc., ou avec des belles idées bien construites et tout, qui se met en marche. C'est le peuple en général, avec toutes ses facettes, avec tous ses tenants et aboutissants. Voilà, il y a des... Et là, c'était véritablement ça. Et effectivement, le fait de pas soutenir et d'aider ce mouvement et d'être dans ce mouvement, ben, ça a permis au gouvernement... d'organiser la répression. Parce que si la plupart des organisations en apparence n'avaient pas compris, le gouvernement, lui, avait compris l'importance et la violence qu'il a déchaînée est à l'image du danger qu'il risquait. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas recommencer, bien au contraire, parce que je pense que c'est une image des mouvements qui continuent et qui vont avoir lieu encore de façon... plus en plus grande. Gilles disait que chacun va porter ses revendications et tout. Moi, je faisais le parallèle tout à l'heure avec ce qui se passe, par exemple, avec les annonces de licenciements, en particulier chez Michelin. Chez Michelin, quand les ouvriers, je ne me souviens plus laquelle usine des deux qui vont être fermées, ils ont dit, dès qu'ils l'ont appris, ils ont dit, toc, on arrête tout. Et les responsables syndicaux, ils ont commencé à dire, oui, mais là, on n'a pas le droit et tout. Et les salariés, ils ont dit, toi, tu n'as peut-être pas le droit, mais nous, si. Et nous, on le fait. Et ils ont bloqué. Et c'est comme ça. Et c'est la même nature de mouvement. C'est ce même fondement-là. Tu faisais un petit rappel sur des moments où les syndicats ont pu être décevants, quelque part, justement en faisant le lien avec les moments où les syndicats sont très efficaces. Tu parlais de Flins, hein, c'était ça. Alors, je parlais de 68, après. Ouais. J'avais parlé de 68. Parce que 68, c'est quand même... De ce point de vue, le mouvement, 10 millions de grévistes dans le pays, ça s'est jamais vu. Et ça s'est jamais plus vu depuis. C'est-à-dire quelque chose de... On pouvait, tranquillement, du moins moi, chez le mouvement auquel j'appartiens, c'était la possibilité d'aller jusqu'au bout.
la possibilité, si on avait eu la force suffisante pour, parce qu'il fédérer les comités de grève des entreprises, aller vers un comité central de grève, c'est-à-dire à l'échelle du pays, on crée une situation de double pouvoir. Ça, c'était 68. C'était toute cette possibilité ouverte. Or, ça a été bradé pour 10% d'augmentation. C'est les accords de Grenelle. Accords de Grenelle présentés par Georges Seguy devant les ouvriers des usines Renault et qui ont répondu, eux, ne signez pas, ne signez pas. Et les accords ont été signés et on a cassé et on s'est retrouvé d'ailleurs, et ça c'est une leçon même actuelle, on s'est retrouvé avec ce qu'on a appelé la chambre bleue CRS aux élections. C'est-à-dire qu'il y a eu un raz-de-marée de la droite, extrême droite. À partir du moment où on ne va pas jusqu'au bout, on n'est pas en rupture, on perd obligatoirement. Alexis, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, tu parlais de la responsabilité des gens qui, de fait, se sont retrouvés dans ce mouvement Gilets jaunes, avoir l'impression d'être enfin écoutés, responsables, entendus. Oui, tout à fait. Alors, la responsabilité des gens, c'est-à-dire que oui, en fait, je pense, si je comprends bien ce que tu dis... C'est que les participants à ce mouvement de Gilets jaunes ont voulu exprimer ce qui les touchait profondément et leurs revendications. Ensuite, pour faire le lien avec les syndicats, je trouve que, comme l'a dit Michel, et puis je crois aussi que Gilles t'a dit la même chose, si je ne me trompe pas, les syndicats, ce sont des outils. Donc, en fait, cette défiance que certains ont pu avoir sur les ronds-points par rapport aux syndicats, en fait, il faut aussi la mettre au regard du manque d'investissement dans les syndicats des travailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'actuellement, on est quand même à une faible participation dans les syndicats des travailleurs. Or, un syndicat, il se nourrit des personnes qui sont syndiquées. Ce sont ces personnes-là qui font le syndicat et ce sont ces personnes-là qui orientent les actions et les décisions du syndicat. Donc en fait, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas d'opposition finalement. Moi, je n'ai jamais vu une opposition entre le mouvement des Gilets jaunes et la présence des syndicats. C'est un outil. Les syndicats sont un outil dont l'ensemble des travailleurs peuvent s'emparer en fait pour revendiquer. Et c'est des structures qui sont extrêmement outillantes en fait. Gilles, tu as parlé d'organisation un peu pyramidale. Oui, non, mais il est vrai que sur les ronds-points, ce qui m'a paru quand j'y allais, comme tu étais présent aussi très régulièrement, c'est ces échanges. Ça veut dire que cette communication entre les gens, ça veut dire que. On parlait tout à l'heure de formation, comme on pouvait avoir des formations syndicales. Là, je trouve que c'était un endroit où les gens échangeaient. Moi, j'ai eu des discussions pendant des heures avec des gens qui n'étaient pas des syndicalistes, qui étaient même quelquefois en opposition avec les syndicats. Tu pouvais avoir, j'allais dire, à un moment donné du temps pour pouvoir expliquer ce que tu étais et ce que nous étions dans le mouvement syndical et tout ça. En expliquant qu'il y a des périodes où c'est beaucoup plus constructif parce qu'il y a des grèves et que tu peux arriver à avoir du temps pour discuter. Et que là, il y avait un moment où on pouvait discuter, élaborer, et c'est pour ça qu'il y a eu des actions. Il y a eu des participations, parce qu'il faut dire aussi que, bon, sur Aubenas, je le redis, c'était peut-être un peu particulier, mais il a été ouvert, les syndicats ont ouvert, j'allais dire, l'intersyndical à un certain nombre de personnes des Gilets jaunes, qui étaient leurs représentants, qui étaient eux qui décidaient, et qui ont pu participer. Le seul reproche que j'avais pu faire à un moment, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que arriver à faire en sorte que ça soit les gens changent, que ça soit pas toujours les mêmes. Et parce que comme ils étaient, je veux dire, comme disait Michel, les gens étaient totalement différents les uns des autres quelquefois. Voilà. Mais j'ai ressenti, parce que dans les mouvements sociaux qu'il y a actuellement, il y a plein de gens des Gilets jaunes que l'on retrouve. Il y en a qu'on ne retrouve pas, mais on sait de très bien. C'était peut-être cette frange qui n'a pas permis au démarrage que tous les syndicalistes puissent venir. C'était ça qui avait bloqué. Mais aussitôt qu'il y a eu des revendications qui étaient des revendications sociales, qu'on a dépassé le fait du simplement, le prix du gasoil ou de l'essence,
il y a eu des sur les ronds-points. Moi, j'ai dit, il y a eu des mouvements, j'allais dire, énormes sur les ronds-points. Ah oui. De fraternité, d'échanges, j'allais dire, politiques aussi, dans le sens noble de la politique. Ça veut dire où les gens te le disaient, mais bien sûr, on va parler de politique. Parce que c'est pas un gros mot et que c'est pas de donner aux professionnels qui sont en train de nous embourber 80% du temps à la télévision ou dans les médias. Voilà. Et c'est ça qui était intéressant. Un des mouvements forts, par exemple, le 31 sur le rond-point où il y a 100 personnes décembre, qui sont... Qui, hein, 31 décembre, ouais, enfin... Ouais. J'allais dire, pour moi, j'ai trouvé ça fabuleux que ces gens continuent à venir et viennent et qu'on se retrouve pour échanger et j'allais dire, ensemble, collectivement. Peut-être il y en avait qui étaient prêts à aller manger dans leur famille, tout ça, qui ont fait des choix et tout ça, parce que le mouvement était fort et qui était important, avec tout ce que ça comporte, avec les problèmes que l'on peut rencontrer aussi dans nos structures, où tout le monde n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses. Mais ce qui est important, c'était le prêt de l'échange. Et on n'a pas réussi, et malheureusement, à faire passer en sorte que on se serve de ce mouvement et de cette dynamique pour pouvoir faire en sorte, comme pouvait dire Michel aussi, que ça aurait pu peut-être amener à, j'allais dire, avoir, j'allais dire, un renversement un peu, parce que je pense que ce mouvement a fait peur au gouvernement et qu'il est dommage, il est dommageable aussi, que nous n'ayons pas, je parle pour l'ensemble des syndicats, réussi à faire en sorte de ce soutien. Quand je dis ce soutien, c'est dire que se mettre à l'intérieur. Parce que si on parle du peuple, on parle de ces gens, de nous, c'est-à-dire de nous, on est des syndicats de défense des travailleurs. Donc ces gens, ils y étaient. Parce que tous les autres qui on était là que pour le prix du gasoil, ben on les a plus revus aussitôt que c'est passé sur les loyers, sur la façon de vivre, les fins de mois difficiles. Alors, ce que tu disais sur l'organisation, il y a eu des moments très forts aussi où on s'est retrouvé au local syndical, hein, avec plein de gens autour de la table, avec des gilets jaunes et tout, à organiser des manifestations, hein, Michel. Hein, oui. C'était fort, c'était des moments forts, ça. Mais tout à fait. Mais ça, c'est vrai que si ce mouvement-là avait pu s'étendre sur l'ensemble du pays de cette façon-là, ça aurait sûrement changé la donne. Oui. Non seulement en termes de violence et tout, mais sur le terrain politique. À partir du moment où il y avait ce mouvement social, il était possible de pouvoir le développer dans les entreprises. Les revendications qui étaient portées par l'ensemble des Gilets jaunes, c'était des revendications de salariés. D'ailleurs, tout à l'heure, on ne l'avait pas dit, mais quand les premiers moments, quand sur les ronds-points, ben, on rencontrait plein de copains des syndicats. De tous les syndicats qui étaient là, qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, pas en tant que syndicalistes avec une chalume, etc., en menant leur organisation, mais comme citoyens, là, pour le coup, parce que les revendications qui étaient portées, c'est celles qu'ils portaient dans l'entreprise. La difficulté, c'est que ça n'a pas été amené dans l'entreprise. Ça, c'est un peu dommageable. Mais voilà. Donc, c'est peut-être aussi des leçons pour l'avenir. On en a besoin. La situation sociale dans le pays, ça va devenir quelque chose de catastrophique. Catastrophique. Je pèse mes mots. Alors Alexis, tu disais que bon, ben, ce mouvement Gilets jaunes, il a été très important avec des gens qui étaient un peu mis à l'écart, entre autres par la presse et tout ça. Mais qu'après, avec le Covid, on a eu presque une mise à l'écart en puissance 10 encore de gens qui étaient pris pour des complotistes ou je ne sais trop quoi d'ailleurs finalement. Des gens qui seulement essayaient de dire mais attendez, on n'est pas sûr du tout de ce qu'on nous présente là comme solution avec un vaccin. Et puis alors, signer son autorisation de sortie, c'était quand même le nec plus ultra. Quand même. Oui, tout à fait. Ben, en fait, moi j'ai ressenti en fait la même frilosité, et encore je pèse mes mots, en fait la même écart entretenu, parce que difficulté à accepter en fait de faire corps ensemble, de partager, d'être dans des manifestations pour un dénominateur commun. Alors pour les Gilets jaunes, c'était des revendications sociales. Pour le Covid, c'était une lutte contre des lois liberticides.
Ensuite, les motifs, les croyances, les imaginaires qui poussaient les gens à se mobiliser contre le Covid, ils pouvaient être divers. Mais en fait, c'est pas parce que on était mobilisé aux côtés de ces gens-là qu'on partageait nécessairement les explications, mais on dénonçait en tout cas la même chose. C'est-à-dire, on dénonçait le fait qu'on s'attaque à nos libertés. C'est ce que l'on a vécu est impensable et inacceptable. Oui, c'est, je veux dire, je pense qu'un jour, si des gens feront des recherches sur cette période-là, certainement sur les gilets jaunes aussi, mais sur la période du Covid, et je pense qu'on cherchera des responsabilités. On a touché quelque chose de grave, extrêmement grave. Et depuis, en plus, voilà, il y a cette sémantique complotiste, etc. Je veux dire, c'est une façon de disqualifier les échanges. On ne peut pas, quand il y a un mouvement comme ça populaire, celui des Gilets jaunes, quand il y a eu une réaction forte comme ça contre des lois liberticides, on ne peut pas, en fait, nier ça. On ne peut pas se cacher vers quelque chose de confortable. Je vais peut-être employer des gros termes, dont bourgeoisement de gauche. Moi, c'est peut-être un peu violent, mais c'est ce que je pense, quelque part. Le dernier volet, il me semble, de l'émission, parce que le temps avance. Moi, je ne sais pas ce que vous avez pensé tous les deux, Michel et Gilles, du mouvement des retraites, parce que moi, il me semble qu'effectivement, on n'a pas gagné. Mais il y a quelque chose qui a été gagné quand même, c'est qu'on a disqualifié moralement, quelque part, un mec comme Macron. Enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, comment vous le pensez, vous. Je sais pas, de toute façon, la discussion, je voulais dire, mais sur la discussion d'avant, là, sur le Covid, j'ai pas tout à fait la même approche. Voilà. Mais c'est parce que, je veux dire, voilà, il y a des choses à voir et à analyser. On ne peut discuter qu'avec des gens qui sont prêts à discuter. Et ça, j'en ai fait l'expérience, surtout dans les manifestations qui avaient lieu pour... Par contre, il y avait des revendications qui pouvaient être données, qui étaient, par exemple, lorsqu'on a interdit aux hospitaliers de pouvoir travailler, s'ils avaient, de ne pas pouvoir travailler, je veux dire ça, d'accord. Sur le pass et tout ça, bien sûr qu'on pouvait être contre ça, c'est des revendications qu'on peut avoir. Sur le restant, je pense que ça demanderait un peu plus d'explications scientifiques pour pouvoir avoir. Comme j'y suis pas, je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, sur ce qui est des retraites, le problème, c'est que on n'avait jamais vu autant de manifestants, que ce soit ici ou ailleurs, au sens, j'allais dire, du nombre dans les manifestations. Par contre, on n'a pas eu, j'allais dire, ce qui s'est passé, comme on disait tout à l'heure, sur les grèves, réellement. On avait des gens qui se mettaient en grève, mais pas sur une grève qui était reconductible. Si on prenait la référence avec mai 68 ou d'autres, ou par exemple, si on reprend même 95, qui était quand même relativement victorieux, entre guillemets, ça veut dire qu'on a réussi à reporter, c'est parce qu'il y avait aussi des gros secteurs dans la lutte et qui étaient en grève reconductible. Là, on n'a pas réussi. Et pourtant, c'est pas manque d'avoir été devant les entreprises, c'est pas manque d'avoir distribué des centaines, voire des milliers et des milliers de tracts qu'on a pu voir. Et l'explication que l'on peut avoir aussi, c'est peut-être... est-ce que, à un moment, je sais bien que la grève, ça ne décrète pas, mais d'appeler à la grève générale, et voilà, ça ne se décrète pas non plus de faire, mais en même temps, je pense que c'était le travail des grosses centrales syndicales d'appeler, en disant, après, on n'est pas subi, on ne gagne pas à tous les coups, si on gagnait à tous les coups, il y a belle lurette que, j'allais dire, les travailleurs vivraient de manière décente avec le travail qu'ils fournissent. Comme c'est eux quand même qui travaillent et c'est eux qui créent les richesses. C'est certain, sauf que c'est effectivement par la grève, tu as raison, que l'on peut gagner. C'est par la grève et c'est par les mouvements de grève, en bloquant l'outil de production, que les salariés gagnent. Bon, les deux exemples des États-Unis récents, les dockers qui, la côte Est, sont mis en grève, ont obtenu grosso modo 60% d'augmentation. C'est en valeur sur 6 ans, mais c'est quand même 60% d'augmentation. Et les salariés de Boeing ont gagné 40% sur 4 ans. On peut rêver de tels accords. Sauf que quand ils partent en grève, ils ne partent pas pour un jour. Hein. Ils partent pour une grève en disant, paf, on s'arrête. Et tant qu'on n'a pas gagné, on continue. Et c'est comme ça qu'on gagne, en fait, fondamentalement. Donc là, parler du mouvement des retraites, ça a été considérable, les manifestations.
Mais d'un autre côté, on sait que dans nombre de grandes entreprises, les mouvements n'ont pas été provoqués et amenés. Donc on n'a pas remis en cause, à partir de là, le pouvoir, et puis on n'a pas remis en cause le pouvoir. À un moment donné, sur la question des retraites, la question, c'était aussi le pouvoir. C'est-à-dire que lui, on l'a gentiment protégé, on n'a rien fait. Et j'espère que dans les moments prochains, là, il va y avoir une grève de la SNCF bientôt, je crois que c'est le 26 ou 21, une grève d'avertissement. On sait très bien que l'avertissement, il ne va pas servir à faire arrêter les plans de privatisation du fret SNCF. Il n'empêche que les syndicats, ils ont dit, à partir du 11 décembre, ces grèves reconductibles. Et là, l'objectif, à mon sens fondamental, c'est de rejoindre le mouvement de la SNCF, donc ça peut être le 10, le 11, le 12, etc., à partir du 11 du 12, etc. Il y a aussi un mouvement de 12 sur ces questions-là, de manière à ce que ça embrase, mais il faudra que ça y est. Et puis, pour finir sur l'histoire, parce qu'on parle et du syndicat, si je le disais tout à l'heure, le syndicat, c'est un outil. C'est-à-dire que le syndicat, c'est un peu une auberge espagnole, on y vient, et on a la possibilité de faire évoluer les choses. On a cette possibilité-là de gagner, de bagarrer, et d'arriver à faire en sorte que l'outil soit efficace, presque, pour nous. Mais il faut rejoindre... Le problème, c'est rejoindre les syndicats. Notre temps est fini. C'était passionnant. À bientôt. À merci. Bientôt. Merci. À bientôt. Merci. On va aller trop longtemps. Non.